Comment va l'artiste? Je vais bien, bonjour. Ah, Chola, nous recevons la grande diva, Mamis. Diva de la musique de la mondaine, musique mondaine Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Hein? Elle est quand, magnifique. Hein? Elle est magnifique, mais quand j'entends justement Mamis, je me pose des questions. Est-ce que Mamis a fait participer à un concours de beauté dans sa jeunesse? Et des trucs comme ça. Justement. Oui. À l'âge de 8 ans, j'ai été Miss. Du coup, le nom Mamis est resté. D'accord. Moi, je veux qu'on commence par le début, hein, parce que je veux déjà que les téléspectateurs d'Ivoire TV Musique sachent qui est Mamis. À l'état civil, c'est quoi? Kone Marie Kaba Mariam, épouse Touré. D'accord. Donc, avec le concours Miss, tu as ajouté Miss là, Mariam. Je suppose que Mariam, c'est le diminutif de Mariam, c'est ça? Oui. Ok, d'accord. Et Mamis a débuté sa carrière en quelle année? Il y a longtemps, l'année même, je ne me rappelle plus. Parce que j'ai commencé depuis à l'âge de 8 ans. J'ai commencé à chanter à l'âge de 8 ans. Où on m'invitait dans les mariages, où on tapait les calebasses. On me suppliait même de chanter, je disais non. On me dit, j'allais te donner 25 ou 50 francs et puis je chantais. Oh! À l'époque. Mais ça, c'est 25 ou 50 francs, c'est pas pour maintenant. Hein. À l'époque, c'était un peu plus cher. À l'époque, c'était un peu plus cher. Parce que 25 et 50 de maintenant. Là. On va te lapider ça. Donc, c'est comme ça que tu débutes ta carrière, que tu te détectes déjà un talent et tout ça. D'accord. Alors, Mamis, pourquoi avoir choisi forcément de chanter comme les mandingues? Pourquoi ne pas avoir choisi un autre style musical? Comme le Zigbibiti, par exemple. Bon. C'est méchant. Au fait, Mamis, elle est malinquée. Et puis, dans les mariages, c'est en djoula, on chante en mandingue. Donc, j'étais obligée de continuer sur ce rythme-là. C'est pourquoi Mamis chante en malinquée et elle artiste mandingue. D'accord, ok. Mais est-ce que les autres artistes mandingues étaient jalouses pas un peu par rapport à ta beauté? Jamais. Ah, il y a ça aussi. Elle est belle, hein? Très belle. Je suis les grandes sœurs, je suis sûre qu'elles-mêmes elles savent que je suis la plus jolie des artistes mandingues de la Côte d'Ivoire. Hey! Et qui dit mieux se présente là, ça, là, il n'y a pas jalousie. Non, mais ça, la jalousie va commencer dedans. Tu connais, parce que tu viens de te déclarer, hein? Tu dis que tu es la plus belle artiste mandingue de la Côte d'Ivoire. Elles le savent, même si je ne le dis pas, elles le savent. Ça ne se cache pas. Donc, tu es plus belle que Afou Keïta? Oui. Je suis belle qu'Afou Keïta, elle le sait, ma petite soeur chérie. De passage, je lui fais coucou. Ah, tu finis de la pire et puis tu lui fais coucou. C'est lourd. Mais elle-même m'appelle la plus jolie des artistes mondiaux. Ah, donc elle reconnaît. Justement. C'est déjà pas mal. Mm-hmm. Maintenant, ce que nous, on a constaté, hein, Défalé, c'est que dans le milieu mandingue, on a l'impression que vous ne vous entendez pas. Véritablement, hein. Il y a des couacs entre vous, vous faites des associations, après d'autres se retirent. C'est dû à quoi? C'est la jalousie? C'est parce que certaines veulent se montrer comme si elles étaient les plus riches? Qu'est-ce qui constitue le problème au sein de vos associations mandingues? Moi, je pense qu'on n'a pas de problème. On se côtoie, on s'aime. Celle qui ne veut pas participer, elle a le droit de se retirer. On n'oblige personne. C'est comme ça, moi, je vois les choses. Mais il paraît que toi, tu t'es retiré de votre association. Il y a une association qui a été créée, je pense. Il y avait Afou Keïta et pas mal de chanteuses mondaines. Tu faisais partie de cette association-là et tu es parti de là. C'est vrai ou c'est faux? Quelle association, au fait? Je ne sais pas. On ne m'a pas véritablement donné le nom. Ou bien tu fais partie de beaucoup d'associations? Oui. Adama. Mais est-ce que... Je suis la vice-présidente de l'association des artistes mondaines de la Côte d'Ivoire. Mawa Traoré est la... Présidente, je suis la vice-présidente. Maintenant, on a notre association, qui est l'association des griottes. Je ne suis pas griotte, mais je suis parmi, parce que je fais ce que les griottes font. Donc, du coup, je peux dire que je suis griotte. Je suis la vice-présidente. Encore là-bas? Oui.
Il y a un truc qui m'intrigue parce que même moi, j'arrive pas à faire la part des choses. Mmh. Entre la griotte et la chanteuse mondaine. Mmh. Oui, c'est, quelle est la différence? La différence, moi, je suis noble. Noble? Oui, j'ai d'accord. pas le droit de chanter aux fêtes. Ok. Normalement. C'est les griottes qui doivent chanter pour moi. Ah. Maintenant, si le destin me dit de chanter, c'est la volonté de Dieu. Je ne paie rien. C'est le choix de Dieu. Donc là, du coup, je chante. Mais je connais ma place, au fait. Quand les griottes sont là, je me mets à côté, elles vont chanter pour moi et moi, je travaille. Ah, ok. Ah, mais ça, donc souvent, il y a des moments où tu changes de position pour devenir dans ta position de noble. Justement. Mm-hmm. Maintenant, il y a des positions où elle devient griotte. Où tu deviens griotte. Mais est-ce que ça, c'est pas un peu jouer à un double jeu? Parce non, non, non. C'est, bah, tu es noble, tu es noble, tu restes noble. Tu te situes non, 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 finalement. Je suis noble, mais moi, je n'ai pas décidé de chanter. D'accord. C'est Dieu qui a voulu que je devienne une artiste. Là, je ne veux pas chanter. Je ne veux pas, mais si Dieu me dit de faire, je n'ai pas le choix. Mm-hmm. Donc là, du coup, je suis une artiste. Quand les griottes sont là, elles font leurs devoirs. Moi, je suis artiste. Quand je suis là, je fais pour moi. Si on se retrouve dans le même coin, je sais qu'elles sont des griottes. Elles vont faire mon atalako avant que je me lève pour chanter. Ah, d'accord. Ok. Et on a remarqué que dans vos cérémonies, hein, j'ai l'impression qu'il y a un petit concours de travaillement, voilà, de travaillement, comme les jet-setters, là, voilà, qui a plus que l'autre et tout ça. C'est dû à quoi? C'est pour montrer la suprématie ou c'est quoi? Non. Par exemple, moi, je fais ton atalako, tu es contente. Mm-hmm. Ce que tu as envie de me donner là, d'abord tu j'aime Mam Miss, elle chante pour moi, je veux faire quelque chose pour Mam Miss. Mm-hmm. Moi je pense que c'est comme ça, ça se passe. C'est pas parce qu'ils font du concurrence ou je sais pas, mais... Mam Miss, il y a des histoires où on a appris souvent qu'il y a des goûts qui se retrouvent sur les mêmes gars par exemple. Et puis quand elle voit sa rivale là, quand il y a un mouvement de elle veut montrer que c'est elle. Elle veut se laisser, hein. C'est bien l'épouse de tonton de monsieur Kone, par exemple. Moi, je veux montrer qu'elle est plus forte que l'épouse de monsieur Kone. La personne est petite dans la tête pour montrer que tu es là. Tu n'as pas besoin de tout ça là. Les artistes modernes savent que moi, Miss en Côte d'Ivoire. Vous m'avez vu dans ta page ou bien dans. Mais je suis là quand même. Mais dans les cérémonies, tu fais ta page. On entend que tu fais les travails. Bon, on travaille énormément sur toi aussi. On le fait, mais on ne le voit pas. Mais on entend. Mais moi, en tout cas... Ça fait beaucoup de bruit. Ça fait. C'est pas moi qui le fais. Mmh. Tu vas pas me voir dans ces genres de trucs-là. Mais tu as déjà reçu jusqu'à combien ton plus faux cachet que tu as reçu dans le travail. Moi, ça s'élève à combien la somme? Je peux pas dire ça. C'est lourd. Comment tu peux pas dire ça? J'ai dit c'est franchement, je peux pas. Si elle se déclare, il y a problème. Ah. On lui demandait des comptes. Parce que la jalousie peut... Non, on va même pas me demander. Moi, on m'a offert voiture en Côte d'Ivoire. J'ai été la première artiste mondiale qu'on a offert voiture. Tu as vu ça? Tout ça, c'est dans Atalakou. Une 4x4. Mm-hmm. Tout c'est ça, dans... c'est dans Atalakou. C'est Atalakou. J'ai fait Atalakou de la vieille mère. Elle a vu que c'était bon. Dame en question? Oui, okay. Je ne peux pas dire son nom ici. Elle a vu que... Elle-même, elle ne savait pas parce que moi, je ne l'ai pas dit. C'est les gens qui ils ont écouté la musique et puis ils ont dit à la dame, ah, mamie, ça a chanté pour toi. Et puis elle dit, mais elle ne m'a pas dit. Elle ne m'a pas dit qu'elle a chanté pour moi. J'avais une cérémonie, j'étais là-bas, elle était là-bas, elle est venue, j'ai fait son atalako. Elle a dit à une griotte de me dire qu'elle m'offre une 4x4. Mm-hmm. Et j'ai pris mon mari pour aller saluer. La 4x4, on m'a la donnée. Et tous les papiers, tout ça. Tu as fait mutation tout, en même temps. Hein? La voiture était là, j'ai donné à mon père. Parce que déjà, j'avais une 4x4, donc je l'ai donnée à mon père. D'accord. On m'a offert une duplex aussi. Et ah ouais. On dirait nous tous, on est rentré dans l'affaire de dans cette affaire d'Atala. Ouais. Tu as rentré dans l'affaire de... Je suis là, c'est pas mieux, tu as dit une chante monnaie. C'est ce que je suis en train de voir. Hein. Même si tu n'es pas... Après, où duplex sort de la voiture encore, c'est pas grave. Duplex. Eh, petite faussier, hein? Oui. ACD. Oui, oui. Ah, c'est que la personne a fait fort. Wow. Des fois, on se reconverse. Bon, ok, ça. Maintenant, Mam Miss, je te regarde, tu es bien habillée, parée de beaux bijoux. Je veux savoir, les bijoux que tu arbores, c'est de l'or? Original. Jusqu'à? Oui. Maintenant, ma question est la suivante. Pourquoi vous, les artistes modernes, vous avez porté le gros bijoux nous, pour vous promener? Vous voulez nous dire quoi? Que nous, on n'a pas aussi? Non, c'est pas ça.
En fou même pour la main, on dirait qu'elle est taille. C'est-à-dire que quelqu'un, je ne sais pas si on doit la soutenir maintenant pour marcher. Pourquoi vous nous frustrez? Ce n'est pas parce qu'on vous frustre. Le problème, c'est quoi? Quand on dit mandingue, artiste mandingue, c'est bijou basin. Oh. Si une artiste mandingue ne s'habille pas, tu vois que les djatigi ne lui donnent plus rien. Parce que nous, on te donne de l'argent. Djatigi, déjà, c'est quoi? Ce que nous donne... Les bienfaiteurs. Ah, voilà. Okay. Toi, tu me donnes de l'argent. Moi, je ne m'habille pas bien. Tu vas être découragé. Mm-hmm. Tu vas te dire quoi? Je donne tout ça à la mamie, c'est comme elle est. Mm-hmm. Vraiment, moi, il n'y a plus lui donner mon argent. Elle fait quoi mais, avec mais il y a d'autres aussi, quand tu lui donnes, il te donne l'argent aussi, quand il te voit, tu viens trop pauvre, ça lui fait mal aussi. Hein. Ah. En tout cas, il y a tout parce ça dedans aussi. C'est un peu compliqué. Il y a tout aussi, ça dedans. Tu prends mon argent, c'est le choix. Mais tu ne me diras pas qu'il y a des gens qui peuvent, vont te voir, ils ont donné l'argent, ils te voient chenille, oh, bonne voiture, tout. Tu pries. Ça peut pincer aussi dans le cœur. Bon, moi, je n'ai pas eu ce diatribe-là, en fait. Ça peut se faire, je ne peux pas dire non, mais oui. Je n'ai pas eu ça. En tout cas, vraiment. Vraiment. Oh, que tu as porté là. Aujourd'hui, là. Oh, là, oh. Vraiment, ça, un peu fond, ça allait pas. Vraiment, toi aussi, mamie, tu venais dans Fafa, tu n'es pas anti-fa, tu n'as pas fait prestation de brio. Tu n'as pas besoin de venir nous frustrer. Elle est toujours là ici. Ça va sortir à la télé, non? Ils vont me voir. Ils vont me voir. Et les gens vont dire quoi? Elle, la dernière fois, là, de toute façon, elle s'est habillée là. Elle a porté. On avait honte. Mais voilà, elle doit aimer Yaya, hein? Non. Vous faites, mamie, n'aime pas tout ça. Hein. C'est le boulot mamie, qui m'oblige. Voilà, c'est mais quand tu sors et tu es paré de tels bijoux, tu n'as pas peur de te faire agresser parce que ça, j'ai flashé. Je suis dans la voiture, c'est condamné. Et après ça, j'enlève. Ah. Après l'émission, j'enlève et je me change. Et tout ce que tu as porté comme bijoux, c'est estimé à combien? En France CFA. Oh, mamie, il faut donner les détails. Non. Ben, si c'est là, c'est on voit déjà. Tu peux nous dire, ça peut faire combien? Oh, 18 carats. Ceux qui connaissent, regardez la taille. Ils savent. Donc, s'il vous plaît. Ils se connaissent. Monsieur le caméraman. J'ai pas besoin de dire. Faut zoomer sur les bijoux de mamie. Zoom un peu sur les bijoux de mamie. Zoom un peu sur les bijoux de mamie. Il faut que les téléspectateurs d'Ivoire TV voient comment. Et c'est original. Voilà. Donc, tu ne peux pas porter copie et puis tu vas aller t'asseoir que c'est original. Donc, Afou Keita et toi, là, entre vous deux, là. Qui a orqué sa camarade? Afou, moi j'ai orqué Afou, elle le sait. Eh, ça là, il faut que Afou vienne nous certifier ça, enfin, a fait des trésoreries, il va sortir. C'est ma petite soeur, elle le sait. Tu as plus. Toi, tu as bijoux au nom que Afou Keita. Oui. Est-ce que c'est éventail que Afou Keita porte là, tu as aussi? J'ai tout. Aïe, c'est lourd. Ouais. Alors, j'aime pas me faire voir, c'est tout. Alors, mamie, on te sait très proche de Madjane Fitini. Apparemment, tu es très proche de Madjane Fitini. Je suis proche de Afou, je suis proche de Madjane. Bon, c'est deux sœurs, non? Mais on dit on te voit un peu plus souvent avec Madjane Fitini. Non, Madjane, c'est ma petite. Si. C'est ma petite sœur. Quand elle a besoin des idées, elle m'appelle. Voilà. C'est je ça. Le fais. Ouais, c'est de ça que je parle. Afou, c'est pareil aussi. Mm-hmm. Moi, je n'ai pas de choix entre les deux. Elles sont mes deux sœurs. J'ai pris Dieu, que Dieu fasse que... Oui, parce que justement, tu es au courant qu'il y a une discorde entre les deux sœurs. Est-ce que tu as mené des actions pour tenter de les réconcilier? Je ne l'ai pas fait parce que c'est une histoire de famille. Elle veut nous frustrer, hein? Non. Elle veut nous frustrer, elle est gueule, hein? Voilà, c'est une affaire de famille. D'accord. Ça se régule. Et on va faire ça en famille. On n'a pas besoin de s'exposer pour faire tout ça, là. Donc, oui, mais elles se sont déjà exposées sur la place publique pour le faire. Mais nous autres, on ne va pas le faire. Et encore récemment, ils ont posé une question à Afou. Est-ce qu'elle connaît Madjane Fitini? Elle dit, elle ne sait pas c'est qui. Il n'y a même pas quelques jours là. Dans une autre émission, sur une chaîne de télé. Voilà. Qu'est-ce que tu penses même de la réponse d'Afou? Je n'ai pas vu. Donc, je n'ai pas vu. Je ne peux pas répondre. Non, non, tu es fait le béret, toi, pour te dire que voilà ce que tu as. Moi, je ne réponds pas les rumeurs. Donc, je n'ai pas vu. Envoyez la vidéo, s'il vous plaît. Non. Elle va bien voir, comme ça, elle va répondre. Nous, on a fait te donner un point. On te dit que c'est ce que Afou a dit. Mais moi, mamie, je ne comprends pas ta position dans cette histoire. Tu es amie. Enfin, tu dis que Madjane. Je ne suis pas amie à les deux. Afou n'est pas mon amie, elle est ma sœur. Madjane n'est pas mon amie, elle est ma petite, elle est ma sœur. Et aujourd'hui, tu sais que les deux ne sont pas en odeur de sainteté. Mm-hmm. Toi, tu veux régler ça de quelle façon? Puisque, en temps normal, si Afou est ta sœur, que Madjane est ta petite, tu dois intervenir. Justement. Mais j'ai l'impression que tu n'interviens pas, tu laisses couler. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu attends pour intervenir finalement? J'ai intervenu. Mm-hmm. Et ça n'a pas abouti? Ça n'a pas abouti à quelque et chose. Et qu'est-ce qui constitue le problème entre les deux? C'est Madjane qui a raison ou bien c'est Afou qui a raison? Je ne sais pas, entre les deux, je ne sais pas. Mamie, tu sais, c'est pas que tu n'as pas dit. Je ne sais pas, franchement.
Moi, je n'ai pas les petits problèmes. J'ai pas envie d'en parler. Si, on va en parler parce qu'Afou, c'est ta soeur. Et puis ici, la soeur aussi chez Afou. C'est quand même le milieu. Elle vient chez nous comme elle veut, c'est chez elle. On connaît aujourd'hui, on connaît Mammis. Et puis, on veut voir un peu la position de Mammis vis-à-vis de cette situation parce que c'est une situation. Franchement, ça me plaît pas. C'est la jalousie qu'il y a entre les deux, c'est ça. Ça me plaît pas. C'est pas intéressant pour. C'est une affaire de jalousie. Pour des grandes dames comme ça, c'est pas bien à voir. C'est à cause des garçons. Non. C'est l'argent. Non, non, non. Bon, pourquoi elle se supporte pas? C'est une histoire de famille, ça va se régler. Oui, d'accord, on sait que c'est une histoire de famille parce que c'est deux sœurs. Mais quel est le problème entre Afou Keïta et Matt Jenner? Jusqu'à présent, on n'a pas encore vu le. Moi, je n'en sais rien. Appelez Afou ici, elle va s'expliquer. Non, elle va venir. Mais moi, je n'en sais rien. Pour l'instant, comme tu es là, c'est avec toi, on va causer. Non, 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 moi, je n'en sais rien. Parlez de moi-même. J'aime qu'on parle de moi, j'aime pas parler de gens. Ou bien Matt Jenner a sollicité Afou Keïta parce qu'elle avait plus de notoriété. Afou l'a pas aidé, c'est ça qu'elle est venue par là. Je sais pas. Afou a rasé Matt Jenner? Je sais pas. Matt Jenner doit Afou? Qui a pris crédit entre les deux? Malon. Ah bon, d'accord. Alors, quels sont tes rapports avec la diva Aïcha Koné? Aïcha Koné, c'est ma mère. Elle était là. Quand je débutais, elle était là. Je suis passée la voir. Elle m'a fait des bénédictions chez ma mère. Mais non, c'est ta maman. N'est-ce pas, Nifali? Bien sûr. Elle te dit ça. Hein? Elle te dit ça. Tu n'es pas. Bon, tu dis que tu es intervenu entre Afou et Madjiné. D'accord, nous, on n'était pas là-bas. Mais quand Afou a insulté Aïcha Koné, qui est votre maman, vous qui tous? Est votre maman à toutes les deux, est-ce que tu as parlé à Afou? Tu l'as recadré pour dire non, petite soeur? Oui, je l'ai fait. Ça, c'est maman, on ne touche pas. Je l'ai fait. Afou peut le confirmer. J'ai appelé Afou. J'ai parlé à Afou. Elle m'a dit, elle me respecte. Parce qu'il y a des trucs qu'un fou fait, je lui dis de ne pas faire. Franchement, elle me respecte. Elle me dit, tu ne vas plus attendre. Elle m'a dit que tu ne vas plus me voir sur la toile encore. Parler de ça. Et elle a fait ça pour moi. Donc moi, j'ai fait un effort. J'ai appelé la fou, je n'ai pas aimé, voilà. J'aimerais que tu fasses comme ça, comme ça, comme ça. Elle a dit, elle a compris. Elle est contente. Elle m'a dit merci. Et qu'est-ce que tu penses du fait qu'Afou ait pu lui reprocher le fait qu'elle puisse s'immiscer et intervenir dans l'histoire des 49 soldats qui étaient bloqués au Mali? Bon, en fait, ces genres de trucs-là, affaires de politique-là, moi, si vous remarquez, je ne me mêle même pas. Parce que c'est le dernier souci de ma miss. Je suis une artiste. Politique que je dois faire là, c'est de suivre ma carrière, le reste tu derrière. Les mains. Mais la politique aussi est censée gérer ta vie, est-ce que tu le sais? Je le sais, mais je n'ai pas été à l'école. Je ne sais pas lire, je vais faire quoi de la politique? Mon problème c'est ça, parce que je n'ai pas été à l'école. J'ai fait la classe de ceux hein, et c'est tout. Et quand on voit comme ça, des gens sur la toile partout, ils voient un peu ces gens d'attitude, Afou Keïta, une grande diva de la musique mondaine qui prend position ou bien qui s'adresse comme ça à la maman Aïcha Koné et tout ça, et on voit ça va dans tous les sens. Est-ce que vous, au-delà de toutes vos associations, est-ce que vous faites des choses pour pouvoir vraiment que ce genre de choses s'arrêtent? Parce que ça a duré, perduré un petit moment quand même. Ouais. Même qu'on le dise, mais il y a eu quand même des jours fourrés pendant un bon petit moment. Ok. Les artistes mondains, notre association Afou n'est pas dedans. Elle n'est pas dedans. Non. Elle n'est plus dedans ou elle n'est pas dedans? Elle n'est pas dedans. Elle n'a jamais été dedans? Elle n'a jamais été dedans. L'association Artiste Manding, on est allé vers elle, on a tout fait. Voilà. Elle n'est pas venue vers nous, donc la femme. C'est pas parce que les autres étaient jalouses d'elle qu'elle n'a pas voulu rentrer dans l'association. Par rapport à quoi? Parce qu'Afou, nous tous, on sait qu'Afou a les sous. Ça là, c'est pas, y a pas de débat. Sinon, tout le monde se suffit. Hein. Non, il y a se suffit et puis avoir beaucoup d'argent. En tout cas, Dieu seul sait qui a l'argent. Quand on regarde Afou, nous on voit qu'elle a beaucoup d'argent. On n'a pas besoin de se faire voir pour dire j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Dieu seul sait qui est lourd. On dit qui est lourd. Donc, Dieu dit que Afou a nous flasher un peu. Non, je n'en sais rien. Elle fait de sa vie comme elle a envie de faire. Je fais de ma vie comme j'ai envie. Mais est-ce que tu as l'air que Afou? Va demander à Afou. Non, comme tu es là, il y a des demandes. Non, non, moi je préfère que tu demandes à Afou. Non, Bijou, puisque Afou, attends, Bijou là, c'est valeur. Quand Afou sera là, on va lui demander. Mais comme tu es là, Mammis, entre toi et puis Afou là, qui a l'argent? Ah, Mammis, la question est posée. Tu as dit, oh là, tu as ça que Afou. Il n'y a pas de problème. Mais l'argent là. Oh, c'est quoi? Non, l'or, c'est un matériel. C'est un matériel. Donc,
La réponse est là. Or, là, c'est quoi? C'est l'argent. Oui. Donc, oui, d'accord. Mais laissons l'or. Je dis, je parle d'espèces. Entre toi et puis Afou, là, qui est chargé, qui est lourd? Tu c'est t'inclines du, ou bien Dieu, Afou c'est s'incline? Dieu seul. Je ne connais pas l'argent de Afou. Je connais pour moi. Uh-huh. Et c'est Dieu seul qui sait qui est lourd. Donc, tu as beaucoup d'argent. Je n'ai rien. Oh, moi, je me débrouille. Je n'ai rien. Elle a fait jouer à nous, hein, des fois. Moi, je n'ai rien et je me débrouille. Ce sont les djatriques qui nous donnent l'argent. Nous, on n'est rien. Sans eux, là, on n'est rien du tout. Les bienfaiteurs. Donc, tu as beaucoup de djatriques. Moi, je ne peux pas montrer aux bienfaiteurs que j'ai l'argent. Sinon, ils ne vont plus te donner. Mais c'est eux qui nous fabriquent. Tu vas montrer à celui qui t'a fabriqué, tu as l'argent. C'est pourquoi vous faites. Oui, ça aussi. Alors, entre vous, les artistes mondains, on ne voit pas trop les featuring, genre. Pourquoi vous ne faites pas les featuring? On dirait que chez vous, là. Tu sais, il y a trop de jalousie dans leur milieu, là. Il n'y a pas de featuring, oui. Des choses. Et puis, il y a pas les gens qui pensent qu'il y a la jalousie. Parce que moi, dans ma tête, tu ne peux pas prendre ma chance. Mm-hmm. J'ai ma chance, tu as ta chance. Toi, tu ne peux pas prendre ma chance. Mm-hmm. Tu vois, non? Tu peux avoir non que moi. Mm-hmm. Tu peux avoir succès que moi. Tout ce que Dieu donne là, tu peux avoir tout ça que moi. Oui. Mais peut-être que je suis mieux que toi. Mm-hmm. D'une part. Donc, entre nous les artistes, souvent on fait des duos. Moi, je pense que j'ai fait avec quelqu'un, mais je ne me rappelle plus. Et je suis en studio encore avec des gens. Il y a un duo qu'on a fait, nous tous, où on a parlé de Corona. Corona, à l'époque là. Tous les artistes maintenant qui ont chanté dedans. On allait même jour là. Nous tous, on allait en studio, même jour. Non, je pense nous que c'est pas de ce genre de ça, de c'est une là situation. Que en fait, c'est une situation. Défalé, vous parler des featuring, par exemple, je dis tout et n'importe quoi, comme Arafat et de Bordeaux, par exemple, qui étaient tellement amis qu'ils ont fait des chansons ensemble. On constate que vous, dans votre milieu, il n'y a pas ça. On ne verra jamais Afou Keita en train de faire un featuring avec Mamis ou Mamis. Bientôt, on va le faire. Avec Mawa Traoré. Parce bientôt, que on va le faire. Qu'il y a un problème de leadership entre vous. Chacune veut montrer que c'est en fait, elle. Il n'y a pas de problème. Chacune a ses Djatigi. Chacune a voilà, ses bienfaiteurs. Chacune a ses Gwen. Donc, parle de Djatigi. C'est-à-dire que tu as pris le Djatigi de l'autre. Est-ce que c'est déjà arrivé parmi vous? Forcément. Moi, on m'a beaucoup fait ça. Hein. Ah, souvent, je sors, je pars de mon djatigi. Voilà, c'est comme ça. Elles vont prendre ça. Et puis, bon, moi, quand tu prends mon djatigi, moi, je ne lutte pas pour ça. Hein. Je te laisse ça. Et puis, Dieu me donne quelqu'un d'autre encore. Mm-hmm. Parce que quand tu crois en Dieu, je suis une musulmane, mais voilà. Je suis en train de prier au nom de Dieu parce que le mois, là, le mois est béni. Donc, il faut réciter le nom de Dieu pour que Dieu te pardonne pour tout ce que tu as fait, qui est bon ou pas. Donc, je suis une musulmane, moi je suis une croyante. Si toi, par exemple, tu es mon djatigi et je chante ton nom, après tu es avec une autre artiste mondaine, je ne prends pas ça en mal. Je me dis quoi? Peut-être tu n'aimes plus ma miss. C'est l'autre que tu aimes, tu peux continuer avec elle. Ce n'est pas une guerre. Elle a ta chance avec toi. C'est parce que moi, je n'ai pas ma chance avec toi. C'est comme ça, moi, je vois les trucs au fait. Mais toi, tu vois ça comme ça. Mais est-ce que les autres voient ça de cette façon? Ah, je ne sais pas, franchement. Ce que je veux comprendre dans votre milieu, c'est vrai que nous, on ne maîtrise pas beaucoup le milieu mandingue. Mmh. Donc, comme tu es là, parmi vous, c'est-à-dire quand vous chantez, entre griottes, entre chanteuses mandingues, tu vas pas me dire que tu ne reconnais pas la plus dangereuse parmi vous. Mmh. Tu dois te dire, c'est vrai que je chante bien, mais celle-là, elle est plus forte que moi en matière de chanson. Mmh. Donc, dans votre milieu-là, qui, selon toi, est la plus dangereuse? Moi-même. Eh, ma miss, on peut faire ça? Oui. C'est vrai, on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même, mais toi. Elles le savent. C'est pas un peu. C'est pas un peu du narcissisme. Là, quand tu vas voir dans les albums, là, tu vas voir ma musique dedans. Ok. Mon premier album est sorti en 2002. Ok. Tu vas voir dans les. Dans tout dernier, là, tu as plus pas, là. C'est la chanson de ma miss qui est là. D'accord. J'ai pas d'autre chanson. Hein. Mm-hmm. Original de. Au dîner. La vraie, là, c'est Mamis. Mamis. Moi, je chante en Odineka. Hein. Bon, pour corroborer tes dits, faut fredonner une chanson. On va voir de quoi tu es capable. Aramani, Masaya, Bomota, la Kononolon. Eh, c'était Johnny, Mosita, la Kononolon. Jamoyi, Arele, Sula, Mota, la Kononosu. Moi, il n'y a sous la mort, à la conne à la mani massa, Bessonaye à la yé, Fantanji à la yé, Waritigi à la yé,
Mona Bayora, Mona We, Mvuru Chele We. Wana Tebla, la Bayola, Kaila, Serela, Kaye Morola. Mona Bayoye Morola, Ndiana Yale We. Koro Tala We, le Bade, Nyangoni Wato Serela. Hey! Ah non, Defa, je suis convaincu. J'ai entendu deux fois Mouna Bakayoko dans ta chanson. Quels sont tes rapports avec Mouna Bakayoko? Mouna, c'est ma belle-sœur. Elle a marié qui? Non, j'ai marié son grand frère. Oh, d'accord. Ok, je comprends. C'est une affaire comme ça. Donc, je suppose que Mouna aussi, elle est ta Jatigi. C'est comme ça qu'on dit, non? Ta Jatigi. Elle est ta Jatigi. Hey! Donc, jette l'argent sur toi. Elle jette l'argent sur moi. Alors? Pardon, quand vous faites des fois. Ça ne peut pas se passer dans notre dos désormais. Quand vous faites les cérémonies là, Moshoulala, je vais être là-bas. Il n'y a pas de souci. Je vais attraper ton sac de Jakarta là. Inch'Allah. C'est moi qui dois être à côté. Inch'Allah. Bon, alors, allons dans le vif du sujet. À ce qui paraît aussi, Oui, parce que ça m'intéresse ça. On dit dans le milieu mandingue, les femmes mandingues, les chanteuses, les griottes, les cantatrices. Il paraît que souvent, il y a des moments où elles se rencontrent dans des scènes où il y a des trucs là-bas où c'est chaud un peu. Faut dire les choses clairement. Tu as peur, clairement. Non, j'ai pas peur. Je dis, le mysticisme. Vois, voilà, on dit souvent, chacune vient. C'est puissance contre puissance. Voilà, souvent, chacune vient son marabout. Son caramorotier. Donc, comment ça se définit? C'est tout vrai ça, ou c'est. C'est quoi? Parce qu'on entend beaucoup de bruit comme ça. C'est vrai, ouais. Toi, t'as pas de caramorotier? Une griotte qui n'a pas caramorotier. Parce que moi, mon marabout, c'est ma mère. Mais on dit à d'autres là, s'ils sont venus chanter. C'est ma mère. Si elles viennent chanter là, que tu peux pas chanter aussi, hein, si elles viennent. On dit qu'il y a beaucoup d'histoires. Il y a des attaques, voilà. Oui. C'est-à-dire qu'elle prend le micro, quand c'est tu viens prendre ton vrai, micro. C'est pas du vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous ne vous lancez pas les petits sorts. Jamais de la vie. Vous ne travaillez pas aussi vos voix de sorte parce que quand vous prenez le micro, comme ça, le jatting ne peut pas s'asseoir. Moi, je le fais pas. Moi, je parle, j'ai mon Dieu que j'aime bien. Je prie mon Dieu, je crois à mon Dieu. Et j'ai pas dit je crois pas au marabout, hein, faut pas après. Crois à Dieu. Tu as entendu, elle a dit que c'est pas qu'elle croit pas au marabout. C'est pas parce que je crois pas au marabout, je le fais pas au fait. Parce que je crois en Dieu, je crois à ma mère qui a tout fait pour que je sois là aujourd'hui. Donc si je dois faire quelque chose, c'est aller chercher la bénédiction de maman, aller dire à maman aujourd'hui j'ai un contrat, bénis-moi pour que ça marche pour moi. Qu'elle fait les bénédictions, alhamdulillah, quand je vais, ce que Dieu a gardé pour moi, j'ai ça et je rentre. Mammis, quelle est l'actualité aujourd'hui de Mammis? C'est vrai que Mammis est dans son coin, comme tu le dis, tu fais tes tournées, on t'invite à tes prestations et tout, au calme. Mais tu vois pas trop si les réseaux sociaux, tout ça. C'est dur à quoi même déjà? Parce que tu n'es pas présent sur les réseaux sociaux. L'éducation ne me permet pas. Pourquoi? Tu trouves que sur les réseaux sociaux, il y a trop de choses qui ne sont pas maîtrisées, c'est ça? Voilà, maman veut pas. Mon mari veut pas, mes enfants, tout ça là. Parce qu'il faut pas faire quelque chose après, ça va te rattraper. Donc les histoires d'Instagram, TikTok, tout non. Ça. Non. Si tu me vois sur Facebook même, c'est les enfants. C'est les enfants qui me prennent puis me mettent dessus. Ils ont créé Facebook, tout. Sinon moi-même là. J'aime feuilleter seulement. Mais ce sont des outils qui sont dans le temps, qui vivent normalement, avec le temps. Normalement. Donc en temps normal, pour une artiste de ta trempe, tu devrais ne pas te laisser rester en marge de l'évolution de ces accessoires qui permettent aujourd'hui de donner un peu plus de visibilité aux artistes. Parce que Facebook, c'est une grande cour commune. Justement. Le bouéret, la dimension est trop élevée. Et là-bas, c'est un bouéret mondial. C'est une grande cour. Ou aller prendre ta maman pour venir déposer. On va prendre ton papa pour venir déposer. Et la bénédiction qu'ils ont fait pour toi, là, c'est pour gâter ça. Franchement. Mais aujourd'hui, justement, parlons de ça. Afou Keïta, je crois, s'est excusé auprès de Aïcha. Justement, elle s'est excusée. Mais tu ne penses pas que le mal est déjà fait? Non. Aïcha, c'est notre maman. Elle va pardonner. Je sais qu'elle a déjà pardonné. Alhamdulillah, ça va. Et si toi, demain, un jour, quelqu'un, une artiste mondaine, se permet comme ça de sortir sur les réseaux sociaux, comment tu réagis? Moi, je ne parle pas. Hein. On m'a beaucoup de fois, on m'a fait ça. On m'a attaqué sur Facebook, je ne réponds pas. Parce qu'on répond les imbéciles par le silence. Ça, c'est bien dit. Donc, je ne réponds pas. Tu fais ce que tu as envie de faire, ça n'engage que toi.
tu connais chez moi, tu connais mon nom, tu connais mon numéro, tu peux m'appeler, tu peux venir chez moi. Si tu le fais pas, c'est que tu as peur de moi. Je te réponds pas. Waouh. C'est bien. Mais à un moment, il y avait aussi un grand clash entre les artistes mondains de Côte d'Ivoire et les artistes mondains du Mali, les artistes mondains de la Guinée. Ou bien c'est pour, puissance voilà, puissance. C'est pour le buzz ou bien c'est quoi c'est... Bon, j'étais pas parmi, donc je n'en sais rien. Tu en as entendu parler au moins? Oui. Oui, moi, au Palais de la Culture, il y a une artiste qui est venue, Bigini et Palmer, avec l'histoire de Afu Keita. Nous, on a tous assisté. Même moi, j'ai présenté le concert, je sais de quoi je parle. J'y étais. Donc, j'ai vu tout ça et il y a beaucoup de pics qui sont lancés. Il y a beaucoup de paroles qui sortent. Il y a de la prévolution et tout. Comment vous gérez tout ça? C'est un buzz ou bien c'est réel? Franchement, je n'en sais rien parce que c'est pas à mon niveau. Je ne sais pas de quoi ça se pique, qu'est-ce qui se passe. Donc, je ne me suis même pas occupée. Occupée de tout ça, en fait. Voilà, ok. D'accord. Parce que j'ai ma propre carrière, je suis une artiste, une grande artiste. Je ne sais pas si je dois laisser ma carrière pour suivre une autre artiste, franchement. C'est compliqué. Mais en moyenne, ma Miss peut faire combien de cérémonies dans le mois? Dans le mois, je peux faire 20. Tu dis quoi? 20. Je peux faire. Ouais, il y a des cérémonies tout le temps. Si j'ai pas de cérémonie, 10 comme ça. C'est des mariages, baptêmes, mariage, tout ça. Baptême. Chaque cérémonie, pardon, tu as des djatigi qui viennent travailler sur toi. Mais mamie, c'est que vraiment tu as beaucoup d'argent. C'est que là, elle est trop, hein? Si tu dois faire 20 cérémonies par cérémonie, on travaille au moins 1 million à 2 500 000 sur toi par cérémonie. Je suis d'une famille nombreuse, donc je n'ai pas d'argent. J'ai beaucoup de familles. Des charges. J'ai fait voyager des sœurs, des frères. Je cherche l'argent pour ma famille. Ça t'empêche pas de porter les gros bijoux en or? Non. Ah. Bon, en même j'avais temps. J'avais ça avant. Ok, bon. Ça, j'avais ça avant. Ah, en même c'est temps. Pas les bijoux de maintenant. Ah, d'accord. Alors, Choula, en même temps, une question d'actualité quand même, pour Mamie, c'est important. Hein? C'est en marge de tout ce qui se passe. Qu'est-ce que tu penses du père d'Aloua qui rampe comme ça, devant son fatigue, c'est quoi? C'est un griot, c'est un rampeur, c'est... Qu'est-ce que position toi, tu te vois? Elle sait déjà ce qu'il fait, c'est bien. C'est bien, il cherche ton arrière. Moi-même, je rentre devant mon jatigo. Si toi, tu dois travailler sur moi comme ça, je me rabaisse pour prendre l'argent. Non, il y a ça, baisser ma l'argent. Mamie, tu vas pas confondre ta maison pour l'argent. Et puis ramper comme un varan. Non, nager. Comme un petit serpent à sonnette. Il sait ce qu'il fait. Comment il sait ce qu'il fait? Mais justement, sachant ce qu'il fait, on est d'accord avec ça. Mais est-ce que tu ne trouves pas qu'il va trop loin? Qu'il se ridiculise? Je ne peux pas le juger. Dieu dit de ne pas juger ton. Non, non, on ne juge pas. On décrit un comportement. On est en train de décrier le comportement. Mais on n'est pas en train de juger sa personne. Nous, on aime bien le père d'Aloua. Quand lui dit je suis le griot du roi 12-12, automatiquement, il met toute une corporation. Il est même le griot. En avant. C'est-à-dire qu'il se met dans toute une corporation de nobles. Et puis bon, il regarde l'attitude. Donc, c'est qu'il est griot. Il est. c'est que son jatig, il est faux. Il est faux. De... Mais donc, si Pancho le gâte est griot, et pardon, si Dalo est griot, et Pancho le gâte, lui, il est quoi? Lui, c'est l'oracle. C'est l'oracle. C'est son fils. Non, c'est le grand. Fils griot. Non, c'est le grand fils de Père Dalo. C'est l'oracle. Pancho, c'est l'oracle. Mais mamie, moi je comprends, hein, des fois quand le jatigi donne l'argent, tu peux t'abaisser pour prendre, oui, mais pour te connaissant, respect. Tu es une femme respectable, je sais que jamais tu ne vas ramper devant qui que ce soit pour de l'argent. Non, c'est de ça qu'on est en train de parler. Est-ce que c'est déjà une bonne éducation même pour les personnes qui le suivent? Ça, Allah. Oh, Aroa. Oh, Taro. Ça là. Mais lui, il dit les c'est petits. Bon, lui-même, on l'a reçu ici. Il dit les petits méchants qui chantent les chansons là, que non, lui, il ne faut pas que ses enfants vont entendre ça. Que ça va mal éduquer ses enfants. J'ai dit, mais attends. Pourtant, toi, tu rampes devant la nation. Il dit que les enfants qui chantent. Les nouvelles chansons où on parle, excusez-moi, il parle de. Voilà, hein. Il dit que lui, ça le dérange parce que quand il entend son enfant chanter ça, il se dit, c'est pas une éducation pour son enfant. Quand bien même, lui, le père d'Aloua, qui veut éduquer son enfant, lui, il rampe. Et puis, il y a d'autres enfants, des gens, quand ils le voient, eux aussi, ils rampent dans les vidéos aussi là-bas. Bon, c'est pas l'hôpital qui se fout de la charité. Mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Je sais pas. Défalé, quand on parle de l'opère d'Aloua, on nous insulte. Ça, c'est si ça. Si quelqu'un ça, ose. Quoi? Bon, il rampe. Bon, là, Julien, ça peut chercher quoi? Bon, est-ce qu'on a inventé? C'est un rampeur? Est-ce que nous, on a menti? Bon,
Mais sinon, c'est l'actualité. Mami, si tu veux, on en parle comme ça parce que ça fait partie de toutes ces choses-là, tu vois. Mot de fin de Mami, si c'est pour dire à mes fans que Mami, c'est... Elle est mieux où elle est. Elle n'aime pas se faire voir. Vraiment, si vous ne me voyez pas trop, ne prenez pas ça en mal. L'éducation ne me permet pas d'être partout. Vraiment, je vous aime, je vous love. Mami, elle chante toujours. Elle est dans les mariages, je voyage. La dernière fois, j'étais aux États-Unis. Après la fête, je vais aller en France pour les contrats toujours. Mais je vous aime, je vous love. Restez avec Mami toujours. Et quel conseil pourrais-tu donner à tes petites sœurs comme Afoukeïta, comme Madjene Fitini, comme tu es là face à la caméra? Quel conseil tu peux leur donner parce que ces deux sœurs ne se parlent pas? On t'écoute. J'aimerais dire à Afou d'accepter, de pardonner. Elle est la grande sœur. La grande sœur accepte toujours, elle pardonne toujours. J'aimerais dire à Madjene de se rabaisser. Quand tu te rabaisses, Dieu va t'élever. Reste avec ta grande sœur. C'est ta grande sœur. Donc, j'aimerais que vous vous réconciliez. Comme ça, nous, on est gênés. On ne sait pas quoi faire. Vraiment, franchement, moi, Mami, je suis triste pour vous. J'aimerais que vous vous réconciliez. Merci. C'est bien dit. Alors, merci à tous ceux qui suivent Fafa sur la toile, sur les réseaux sociaux, tous ceux qui partagent, continuez. Alors, c'était le Fafa avec Mamis et votre M, serviteur Serge Fallet. Sans oublier ma binôme de tous les jours, chaud là, on est dans la place. Big up à la grande famille, big up à Pierrot, big up à Kangala le Berger. Et n'oubliez pas, désormais, le restaurant, le S Club, est ouvert du côté de la 7e tranche, non loin de la station Shell. On y mange bien là-bas. Tous les after work, on se retrouve là-bas au S Club, sans oublier. Big up à Kra de Paris, la boutique de magasin de luxe, toujours top et opérationnel. Merci à toi, merci aussi à Franck Mion, le jeune industriel. Je salue tout simplement ma belle grande commune de Diabo. En tout cas, nous, on a été ravis de te recevoir ici à Ivoire TV Musique. C'est chez toi, Mamis, tu viens quand tu veux. Allez, mais surtout, la prochaine fois, reviens avec beaucoup de béret. Comme ça, on pourra bien t'attacher. On ne peut pas m'attacher. Elle n'est pas prête. On ne peut pas m'attacher. Merci beaucoup.